Alors Ali, Oui. voilà, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Donc je m'appelle Ali Arash, j'ai 52 ans. Je suis marié et je suis père d'une petite fille, Amina, que je n'ai pas revue depuis le jour où j'ai été mise en détention. J'ai été arrêté le 1er avril 2008, soupçonné de terrorisme, sans aucune preuve. Je n'ai jamais cessé de clamer mon innocence et de dénoncer tous les torts qui m'ont été causés. Car j'étais victime des pires injustices, allant de la privation de ma liberté au service qu'on puisse faire subir à un homme. J'ai été extradé au Maroc le 14 décembre 2010 et immédiatement ramené à Tamara, un centre secret où l'on torture sauvagement dans les sous-sols. Qui se sont acharnés sur moi ne sont pas des humains. Cela n'est pas possible qu'ils le soient. Ali, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'ils t'ont fait à Temara? Je vais essayer, c'est pas évident, mais bon, je vais quand même essayer, c'est très dur. Bien sûr, c'est en résumé, ils m'ont pendu par les mains, par les pieds, tabassé simultanément partout sur mon corps. On m'a frappé très violemment à la tête, au point qu'on m'a éclaté le tympan. On m'a tenté de me noyer à maintes reprises. Et chaque fois que je perdais connaissance, on me réanimait pour remettre ça encore et encore. On m'a injecté des produits bizarres dans les veines par des médecins en blouse blanche. Je sentais que j'allais éclater, que je devenais fou. On m'a appliqué des décharges électriques dans les testicules. On m'a violé avec des bouteilles. Je préfère m'arrêter là si c'est possible. Lorsque j'en reparle, je revis tout ça, c'est très dur. Ali, est-ce que tu sais nous dire un petit peu comment ça se passe aujourd'hui dans la prison de Salé 2? Sont pénibles. Il n'y a pas un jour où on ne court pas le risque de voir débarquer un groupe spécial de police avec des uniformes et des casques qui nous passant à tabac si on osait dénoncer ces conditions. Nombreux sont les détenus ici, croupissants alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Les aveux signés sur la torture suffisent à les condamner, tout comme pour moi. Nous sommes des boucs émissaires d'une pseudo-guerre au terrorisme. Et alors que nous n'avons commis aucun délit, d'aucune sorte, nous voilà privés de liberté. Nous sommes impuissants, certes, mais en ce qui me concerne, j'ai réussi à sauvegarder mon intégrité et ma dignité, même s'ils ont tout fait pour me l'arracher. Ils ne sont pas parvenus. J'ai juré ne jamais me taire et tout dénoncer et continuer à le faire. Dans cette prison, il y a des fonctionnaires, des chefs, des gardes, qui agissant au service des gens c'est qui. Ils nous menaçant, nous humiliant, ils nous réprimant. Ils n'hésitant pas à nous maintenir sans sommeil durant plusieurs jours. Ils nous soumettant ensuite à des phases de provocation. Quand on arrive au stade d'attention, de tension et pression, où plus rien n'est supportable, les simulations de viol par un groupe sur l'un d'entre nous peut arriver tout moment. Cela, les amis, veut nous humilier, de vouloir nous affecter dans notre dignité d'homme. Les exemples que je pourrais donner sont très nombreux et très douloureux à raconter. Que Dieu entende nos prières. Ali, est-ce que tu as un message à faire passer aux défenseurs des droits humains, comme Amnesty International, mais aussi à tous ceux qui réclament que justice vous soit faite? Oui, je voudrais bien. Je voudrais leur adresser à toutes et à tous mes très sincères salutations.
et tout mon respect pour le travail qu'ils font. C'est grâce à leur soutien que j'arrive à résister. C'est grâce à cet appui que je retrouve chaque fois le courage de dénoncer et continuer à y croire. Ces personnes qui, de l'extérieur, ils font sentir que nous existons et qu'il y a une justice. On continue à y croire. On continue à croire et à espérer que la situation change. Ne vous arrêtez surtout pas. Nous comptons sur vous. Je vous remercie de tous du fond du cœur. Ce que vous faites, d'être nos voix et de faire entendre nos cris. Je gagne aussi patience et mon enthousiasme grandit de jour en jour. Qu'Allah veille sur vous tous pour ce magnifique travail. Vous êtes ma source d'inspiration, croyez-moi. Et sachez que je ne descendrai jamais au niveau de ceux qui m'ont torturé, jamais. Car les mauvaises herbes, il faut les désherber. Et pour finir, je mets mon destin dans la balance. Parce que dans un moment semblable, il faut prendre un air audacieux, malgré son cœur ressent au fond du soir.